Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live. Nous sommes aujourd'hui sous le chapiteau du cirque Alexis Grus, porte de Passigny dans le 16e arrondissement de Paris. Le cirque Grus présente cette année son spectacle Quintessence et nous assistons ce matin aux répétitions du spectacle. Alors, le numéro, je vais vous faire suivre les chevaux, voilà, vers la piste. Le numéro que je vais vous filmer ce matin ne fait en fait pas partie du spectacle de cette année. C'est un numéro qui est préparé en vue d'un prochain spectacle. Il se fait avec 6 frisons. Vous voyez ces grands chevaux marrons très foncés qui sont des chevaux hollandais. Donc voilà, ils rentrent petit à petit sur la piste. Il va y en avoir 6. Et ça sera pour un numéro en liberté. Voilà, avec Alexandre Grus, qui est un des petits-fils d'Alexis Grus. Voilà, que vous voyez avec le t-shirt rouge, voilà, sur la piste. Voilà, c'est lui qui leur apprend à faire ce nouveau numéro. Donc là, il y en a 4, on en attend encore 2, et ils vont commencer à répéter. Ok, il a dit. Ah, donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes face à 6 postérieurs de frisons qui sont des chevaux hollandais. Nous sommes actuellement sous le chapiteau du cirque Alexis Grus et nous assistons au travail des chevaux, puisqu'en dehors des représentations devant le public, évidemment, les chevaux et la famille travaillent leur numéro. Là, c'est un nouveau numéro que sont en train d'apprendre ces chevaux en vue du spectacle. Donc s'il est prêt, si les chevaux sont prêts, ce numéro sera présenté dans le spectacle de l'année prochaine. Et le spectacle qui se tient cette année s'appelle Quintessence. Donc c'est un spectacle équestre, évidemment, puisque le cirque Alexis Grus est un cirque de spectacle équestre et également de voltige avec la compagnie des Farfadets. Voilà, qui collabore avec le cirque Alexis Grus pour la deuxième fois. Ils avaient fait d'abord un spectacle avec eux, ils ont remis ça donc, sur ce spectacle Quintessence. Voilà, donc les chevaux sont en train de travailler avec Alexandre Grus, un des petits-fils d'Alexandre. Sous le regard attentif de Stéphane Grus que vous voyez sur la droite. Alors je vais appeler à côté de moi Charles Grus. Bonjour. Je vais vous, hop, on va montrer. Voilà. Donc Charles Bonjour Facebook. Qui va rester à côté de moi. On vous remet
Voilà, la vue sur les chevaux. Donc Charles est le frère jumeau d'Alexandre qui est au milieu de la piste. Charles, donc je disais là, on a 6 chevaux qui s'appellent des frisons, c'est ça, qui sont des chevaux hollandais. Exactement. Alors quelle est la particularité de ces chevaux? Rapprochez-vous par ici pour que les internautes vous entendent bien. Donc quelle est la particularité de ces frisons? Donc, la particularité des frisons, c'est que c'est vraiment des chevaux qui ont un très bon tempérament. Et c'est vraiment des chevaux magnifiques. Puis, ils sont tout noirs. On dit bébrun foncé, mais pour ceux qui sont loin d'ici, on va dire des chevaux noirs. Avec des longues crinières ondulées. Et donc pour le spectacle, c'est vraiment des chevaux qui ont beaucoup d'allure. Et ils ont beaucoup de possibilités aussi. On peut faire du dressage, de la liberté. Même on les utilise aussi pour la voltige. D'accord. Donc c'est des chevaux qui ont beaucoup de potentiel. Et puis ils sont vraiment très dociles. Donc pour nous, c'est formidable. Là, on assiste à un numéro de liberté. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est que les chevaux évoluent comme ils veulent sur la piste? Donc comme ils veulent, c'est un grand mot, mais en fait la liberté, il y a un écuyer au milieu avec la chambrière. Ouais. La chambrière, c'est donc cette longue cravache avec la lanière en cuir au bout, qui permet, tel un chef d'orchestre, de faire la chorégraphie aux chevaux. Mm-hmm. Donc les chevaux sont en liberté dans la piste et puis ils suivent les indications de l'écuyer. D'accord. Pour être bien clair avec nos internautes, parce que j'en vois beaucoup qui ne sont pas très contents dans les commentaires, mais je crois qu'il faut mettre vraiment les choses au point. Il n'est jamais question de donner des coups de cravache à ces chevaux. Alors, jamais de la vie. Donc, et tous ceux qui connaissent un petit peu le milieu du cheval vont être d'accord avec moi. Parce qu'un cheval, pour qu'il travaille correctement, il faut qu'il soit bien dans sa tête. Il faut qu'il y ait vraiment une relation de confiance avec l'écuyer. Un cheval traumatisé ou qui est battu, il va rien écouter et puis passer son temps à se battre avec. Donc le bien-être des chevaux, c'est primordial. Et puis, il suffit de venir voir le travail avec les chevaux pour voir qu'il y a vraiment une relation entre l'écuyer et le cheval, une relation de confiance. Et que ça se voit même au regard des chevaux que le cheval n'est pas effrayé du tout. Voilà, donc on est bien d'accord et j'espère que tous les internautes qui sont en train de regarder cette vidéo vont bien l'entendre. Ici, il n'est absolument pas question de maltraitance animale. J'aimerais que ça soit bien clair. Vous voyez, pas un cheval ne se prend jamais un coup. Les chevaux apprennent leur numéro en douceur. Et vous pouvez d'ailleurs constater à leur allure générale, à la couleur de leur poil, au soyeux de leur robe, que là, nous sommes face à des animaux qui sont vraiment en bonne santé. Hein, ici on n'est pas dans un cirque qui éventuellement pourrait exploiter des animaux exotiques. On est dans du spectacle équestre qui respecte vraiment le bien-être animal et tous les chevaux du cirque Grusse sont dans une très très bonne condition physique et n'ont jamais évidemment pris un coup de cravache. Hein, c'est pas comme ça qu'on fait travailler les animaux. Dans la famille Alexis Grusse. Charles, vous avez combien de chevaux qui travaillent Alors ici on en a 50. 50 chevaux qui sont présents ici. Voilà, dans l'écurie. Donc, dans ces 50, il y a les chevaux qui sont dans le spectacle actuel. Il y a les nouveaux qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps et qui apprennent les numéros pour le spectacle. D'accord, par exemple là, ces frisons là qu'on voit. Ce sont des chevaux qui sont dans le spectacle actuel, qui je le rappelle, s'appelle Quintessence, hein, le spectacle actuel. Est-ce qu'ils, eux, on les voit, par exemple, si je viens sur le spectacle, je les verrai ou pas? Alors, dans les 6 qu'il y a ici, il y en a 3 qui sont dans le spectacle. D'accord. Et qui ont déjà fait des numéros dans les années précédentes. Mm-hmm. Et il y en a 3 qui commencent, donc ça va être leur premier numéro l'année prochaine. D'accord. Donc ce qui est très bien, et on voit dans la relation même que les chevaux ont entre eux, et que les plus anciens, ils montrent l'exemple nouveau. Donc de faire travailler les chevaux qui ont l'habitude, qui ont l'expérience avec les nouveaux, ça permet vraiment de leur faire faire des choses intéressantes. D'accord, donc là on a trois petits jeunes. Ouais, il y a 2 générations de chevaux là, dans les 6 prisons. D'accord. Et donc les 3 jeunes là, qui apprennent un nouveau numéro, c'est le premier numéro qu'ils apprennent ou ils en ont déjà appris d'autres? C'est le premier. C'est le tout premier, ouais. D'accord. Ce sont lesquels les 3 jeunes? On peut les trouver facilement ou pas? Alors les frisons, pour ceux qui ne les connaissent pas bien, c'est super difficile de les différencier parce qu'ils se ressemblent tous.
Alors, les trois jeunes, ils sont au milieu. C'est le deuxième, le troisième et le quatrième. D'accord, au milieu du groupe, comme ça, encadré voilà, par les exactement. Plus âgés qui peuvent leur montrer... C'est tout à fait ça. D'accord. Et donc là, il y en a un, il se mélange un petit peu les pinceaux, donc on lui met juste une longe pour l'aider à se remettre à sa place. Ouais. C'est vraiment à base d'indications, vous voyez, il n'y a aucun coup. D'ailleurs, c'est filmé en direct, nous on ne cache rien, ce n'est pas une démonstration, c'est vraiment notre travail quotidien que vous voyez là. Oui, et d'ailleurs, on est même pas venu faire la démonstration que les chevaux sont bien traités ici, parce que c'est absolument pas le sujet. On est venu montrer le travail de ces chevaux. Qui sont des chevaux magnifiques, et ça fait quoi, ça fait plus de 40 ans que le cirque Grus vient à Paris tous les ans pendant 5 mois présenter ses spectacles équestres. Je pense que vous êtes nombreux à les avoir vus, ce sont des spectacles magnifiques. Et donc là les chevaux qui travaillent, donc là l'idée c'est que en ce moment sur ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent à marcher comme ça côte à côte. Voilà, c'est 3 par 3. C'est vraiment une chorégraphie. Ouais. Le principe de la liberté, c'est que les chevaux fassent une chorégraphie. Toi, tu ne peux pas monter, toi. Ouais. Ah, donc Charles, vous devez aller travailler. Ben, apparemment, il faut que je monte à cheval. Tu verras. Mais après, il n'y a personne à la porte. Ah, si Charles doit monter à cheval. Je vais vous laisser. Ouais. Et du coup, moi, je vais continuer à vous filmer. Donc, vous allez monter. Les chevaux, donc avec Stéphane Bruce qu'on voit là s'avancer avec le haut gris, votre frère Alexandre. Oui. Et donc vous allez les monter pourquoi ? Pour leur apprendre à bien se positionner sur la piste. Voilà, parce qu'on va leur apprendre un nouveau mouvement. D'accord. Voilà, on va leur apprendre à se croiser. Et en fait, dans le travail en liberté, c'est tout par étapes. D'accord. D'abord, les chevaux, ils sont montés pour leur apprendre ce qu'on va leur faire faire. Ouais. Donc, toujours avec la personne au milieu, pour que le cheval comprenne la parole et le geste avec le mouvement. D'accord. Ensuite, ils travaillent avec le surfait, comme ils ont là, et les brides, ça c'est pour leur permettre de garder une bonne posture et de les encadrer un petit peu. Ouais. Et puis pour que, au final, les chevaux soient tout nus dans la piste, donc, c'est-à-dire sans rien. Donc, c'est là que vraiment le mot liberté prend tout son sens. D'accord, ah oui, donc c'est-à-dire que pendant le numéro dans leur spectacle, ils n'ont plus là cette espèce de tapis molletonné là, habituellement sous une selle. Le tapis, voilà, ouais, ils ont ça parce qu'on va monter dessus. Ouais. Et puis là, ils ont le surfait qui est attaché derrière les épaules, et puis avec les enraînements, c'est pour leur garder l'encolure droite, ça permet aussi de leur travailler la posture. D'accord. Et donc, mais quand ça sera un numéro, ils seront nus comme dans la nature. Oui. D'accord. Donc je vous laisse, je vais monter. Oui, on vous regarde. Merci. Vous pouvez apercevoir ici sur la gauche Maude, qui est un autre membre de la famille Alexis Grus, c'est une des filles, c'est la fille d'ailleurs d'Alexis. Voilà, donc comme vous expliquez Charles, donc avec Alexandre et Stéphane, ils vont monter les chevaux pour leur apprendre où se placer correctement pendant le numéro, pour leur apprendre vraiment où ils doivent se placer. Et vous voyez aussi un autre cavalier qu'on n'avait pas vu tout à l'heure avec une casquette, c'est Louis, le petit frère de Charles et Alexandre. Thank you.
un petit bout de carotte pour récompenser les chevaux. Donc là, il a fini de leur faire faire les exercices. D'accord. Voilà, c'est pas très long, mais ce qui est important, c'est la régularité. D'accord, donc un petit peu tous les jours. Exactement. Quoi. Là, ça fait quoi? Peut-être 15 minutes? Ah, un peu plus, ça. Ouais, ouais. D'accord. Donc un peu... Ouais. Et là pour finir, jours. Là, il va les faire marcher pour les détendre. D'accord. Vous disiez que vous aviez 50 chevaux. Je crois que dans votre spectacle Quintessence, il y en a 40 par oui. soir qui vont à tour de rôle... sur la piste, donc les 10 autres, c'est quoi? Ce sont de, comme là, les 3 jeunes frisons sont des jeunes chevaux qui apprennent petit voilà. à petit à des allures et des numéros. Voilà, bah, c'est ceux qui sont en formation, ouais. qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. Parce que nous, les chevaux, ils arrivent chez nous quand ils ont 2 ans et demi, 3 ans. D'accord, donc après avoir été sevrés. Voilà, ils ont pratiquement la taille adulte, ouais. mais c'est encore des enfants dans leur tête, et puis nous, on peut commencer vraiment l'éducation du début. D'accord. Et puis dans les 50, il y a aussi les anciens qui finissent leur jour paisiblement chez nous, parce qu'on a toujours des grands paddocks, des grands espaces. Ouais. Donc comme ça, ils ont commencé notre vie chez nous, et puis nous, ils restent avec nous jusqu'au bout. D'accord, enfin. Avec vous jusqu'au bout. Voilà. Et je crois que vous avez aussi une sorte de maison de retraite pour chevaux chez vous dans le sud de la oui, France, du côté, dans exactement. Le Vaucluse, c'est ça? C'est ça, c'est à Piolin, donc c'est à côté d'Avignon. D'accord. Et là-bas, on a un grand parc. Nous, on est installé là-bas tous les étés. Ouais. Et vraiment là-bas, en plus du spectacle, on met l'accent sur la pédagogie et la visite des coulisses. Mm-hmm. C'est intéressant. Les gens, ils peuvent venir assister aux répétitions. D'accord. Puis quand nous, on est à Paris et les chevaux qui ont arrêté de travailler, on les laisse là-bas, ils ont de l'espace. Et puis, ouais, et ils finissent, ouais. ils sont très tranquillement. Voilà, exactement. D'accord. Mais même, par contre, n'importe où on va, on s'organise toujours pour avoir des grands espaces pour les chevaux. Ouais. Donc même là, sur la place à Paris, derrière le chapiteau, on a 4 paddocks ouais, et les chevaux ils y vont à tour de rôle. D'accord, donc ils peuvent aller courir, exactement. Manger de l'herbe. Ça c'est primordial pour un cheval, pour son bien-être, pour ouais. qu'il soit bien dans sa tête. On rappelle que vous n'avez pas d'autres animaux, hein. Non. Si, 2 chiens. Voilà, 2 chiens. Ah oui, ils ont la belle vie. Ce sont les chiens de votre grand-mère, hein, exact, c'est ça, c'est ouais. ça. Qui de Jack Russell. Un numéro avec eux sur scène. En tout cas, je l'ai vu l'année dernière. Ouais. Dans un numéro avec ses, ils sont toujours là. Avec ses chiens. Donc évidemment, pas d'autres chevaux. On est dans du pur spectacle équestre. Combien de temps ça prend de... Parce que donc là, le numéro qu'on voit, enfin l'entraînement qu'on voit, donc c'est pour le numéro d'un futur spectacle. Ouais. Combien de temps ça prend de monter comme ça un spectacle? Est-ce que c'est... En un an, c'est jouable entre deux saisons, ou est-ce que vraiment il faut prendre plusieurs années pour que les animaux... En fait, ça se fait vraiment progressivement. Ouais. Donc, que ce soit les performances artistiques, comme le jonglage, l'acrobatie, ou même pour que le cheval fasse un numéro, ça s'anticipe sur plusieurs années. D'accord. Donc là, les chevaux, ils sont là depuis un an et demi, mm-hmm. les nouveaux. Mais sachant qu'ils travaillent avec ceux qui savent déjà faire le numéro, ils apprennent beaucoup plus vite. Mm. Alors que s'il y aurait 6 nouveaux, il faudrait 3 à 4 ans pour faire un numéro. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, donc oui, c'est parce vraiment c'est... progressivement. Ouais. D'accord. C'est très progressif. Mais par contre, c'est vraiment un an avant qu'on commence à vraiment travailler sur la mise en scène, mm. les chorégraphies, les costumes. Ouais. Ça prend à peu près un an. D'accord. Pour tout peaufiner, pour que ce soit prêt le jour. D'accord. Vous êtes tous cavaliers dans la famille. À quel âge vous apprenez à monter à cheval? Vous savez monter à cheval avant de marcher ou quand même pas?
Pratiquement. Ouais, voilà. Oh, mais ça se fait en même temps. On a tous les photos quand on était bébé et grand comme ça sur les chevaux. Ouais. Avec les parents qui nous tiennent et puis on est initié à ça depuis qu'on est tout petit. Ouais. Mais bon, au début, comme on va tous à l'école, on essaie de vraiment avoir la scolarité normale. Mm-hmm. C'est un peu les entraînements, c'est un peu plus comme un jeu. C'est vraiment pour donner le goût. D'accord. Et puis à partir de 10-12 ans, là, ça commence à s'entraîner un peu plus sérieusement. D'accord. Et puis. Ouais, on commence à faire le spectacle quand on est adolescent. Ouais, ouais. Bah, j'ai vu il y a très longtemps je sais pas si c'est votre petit frère ou votre neveu qui était tout petit ouais. Sur scène, c'est ça, peut-être 8 ans je pense. Ouais, mais ça devait être mon cousin, parce que j'ai pas de neveu, parce que mes frères, pardon, mais je me trompe de génération, votre cousin, c'est ça, vous avez fait des petites apparitions déjà ouais. Quand vous êtes enfant. Là dans le spectacle, il y a mes cousines qui travaille un petit peu, parce qu'il y a un rôle d'enfant, et que comme j'ai trois cousines, elles font le rôle d'enfant à tour de rôle. D'accord. Donc, ça leur permet aussi, parce que comme on fait beaucoup de spectacles, pour un enfant, c'est difficile de le contraindre à être à tous les jours, donc elles font un tour de rôle, donc pour elles c'est très confortable, et puis c'est un vrai plaisir quand elles arrivent dans la piste avec nous. Pour elle comme pour nous d'ailleurs. Ouais. Quand on dit elle travaille, on est bien d'accord. Elle fait une courte apparition dans le spectacle. Voilà. C'est pas. Elle travaille pas vraiment. Oui. Ouais. C'est un peu de figuration, mais. Là les chevaux, où est-ce qu'ils vont maintenant? Ils vont rentrer au box, ouais, ils vont au paddock. Là ils vont rentrer au box parce que ça va être midi et puis ils sont pressés d'aller manger, je pense. D'accord, avec des jeunes heures fixes comme les humains. Ouais. Le matin, ils ont le foin. D'accord. À 7h30. Ouais. À midi, ils ont les granulés. On va se déplacer un petit peu pour pas les gêner. Et puis en fin de journée, ils ont leur dîner. D'accord. Voilà, donc là, les chevaux ont fini de travailler. Ils vont rentrer. Là, il y a des chevaux au paddock en ce moment ? Ouais, il y a des chevaux au paddock là. Là, en ce moment, c'est pas sûr. Ok, donc là, ils rentrent. Voilà, vers les box. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un court tour des box. Très bien. Voilà, comme ça, on va aller un peu voir. Voir les chevaux. Et puis après, on va les laisser déjeuner tranquillement. Là, une deuxième piste. Voilà, comment on dit un manège ? Comment on dit ? Nous, c'est une piste. Une piste. Ouais. Une deuxième piste sur laquelle s'entraîne votre grand-mère. Hein, exactement, c'est ça ? Du petit Grousse qui est. Un très bon niveau en dressage. Et là, qui travaille avec quoi comme cheval ? C'est un lusitanien qui s'appelle Higuera. Un lusitanien ? Ouais, donc c'est un portugais. Un cheval portugais, cheval d'accord. Portugais. Ah oui, on. C'est vachement codé le monde du cheval au niveau des termes pour les robes. On ne dit pas un cheval noir, on dit un cheval bleu brun foncé, on ne dit pas qu'il est marron, on dit qu'il est bai. Donc. Ouais, donc celui-là il est bai. Voilà, il est bai. D'accord. Donc là, on voit soulever un peu ses pattes. Il fait le pas espagnol. Le pas espagnol, voilà. D'accord. Voilà, donc un cheval portugais qui fait le pas espagnol. Donc ça, c'est une des allures, hein, c'est ça ? C'est comme ouais, ça ? Ouais, voilà, c'est une figure de dressage. D'accord. Toi, c'est un cheval qui s'entretient ou qui est en train d'apprendre ? Là, il s'entretient parce que Gypsy a fait un numéro de haute école dans le spectacle. D'accord. Qu'est-ce que c'est la haute école ? La haute école, c'est le dressage. D'accord. Donc, c'est un cavalier sur son cheval qui lui fait faire du piaffer, du passage. Il fait vraiment faire des exercices particuliers. D'accord. Et ça, c'est une discipline qu'on retrouve dans les manèges, dans tous les spectacles équestres. Je crois même que. Oui, au cadre noir, ce genre de discipline aussi, non ? C'est une discipline sportive aussi, dans l'équitation. En plus du CSO. D'accord. Alors, si vous voulez, on va aller faire un rapide tour des box. Donc, je vous laisse avec Gypsy Grousse, donc la femme de Gypsy Grousse, qui est en train d'entraîner un cheval. Une chose importante aussi à signaler, c'est que tous vos chevaux, donc par exemple ce cheval portugais, il vient du Portugal. Vous allez acheter, vous allez chercher tous vos chevaux dans leur pays d'origine. Exactement. Ah. Mais celui-ci s'appelle Cachemire. Voilà. Bonjour Cachemire. On peut ouvrir ? Ouais. Ouais. Cachemire. Voilà, Cachemire. Il a une belle robe. Bonjour aux Isabelle. Enfants de Cachemire. Voilà, hop. Voilà, donc là les chevaux sont en box pour déjeuner. Voilà. Hein, c'est là, il y a leur repas qui est prêt. Ah, voilà. Ils attendent. Il est prêt déjà à manger. Regardez.
un gourmand qui, voilà. Qui attend son déjeuner. Et puis après, ils iront faire un tour dehors, c'est ça mon père, il fait des gros câlins. Ouais, regardez ça. Je ne peux plus attendre, ils ont trop faim. Hop, on va continuer, pardon. Là, c'est des prisons. Hein. Voilà, donc là, les box qui ont été aménagées en dessous pour bah, le temps de... Voilà, donc il y a les lumières, le chauffage, ouais. Il y a tout ce qu'il faut. Tant que vous restez à Paris, il y en a un peu de deux côtés. Là, on en a un qui s'appelle Lazao, qui est tranquillement en train de brouter son foin. Bonjour, toi. Là, c'est les chevaux gris. Et là, on va arriver à mes préférés, c'est les chevaux de trait. Donc, c'est vraiment les chevaux massifs. D'accord. Et c'est avec eux qu'on fait le travail de voltige. D'accord. Alors là, il y en a. On va aller voir Eros. Ouais. Il a de la paille partout. Donc Eros, un cheval de trait. Alors lui, c'est un amour. Il a pas plus gentil. Voilà. Vous voyez, ils sont beaucoup plus costauds que les autres. Ouais. Ouais. On peut essayer de vous montrer la croupe. Voilà. Et par contre, c'est des chevaux qui ont un tempérament vraiment adorable. C'est vrai, ouais. Ils sont. C'est vraiment des gros nounours. Ils sont gentils. Si j'essaie de le saluer, il va être bonjour toi. Il n'y a pas plus gentil. Et pour faire le travail en voltige, ouais. C'est vraiment comme un acrobate, un duo d'acrobatie avec un porteur et un voltigeur. Avec les chevaux, c'est pareil, il faut vraiment avoir une complicité avec le cheval, une confiance aussi. Ouais. Parce que sachant que nous on fait des choses dangereuses sur son dos, mm-hmm. Il faut que le cheval il prenne soin de nous et que nous on prenne soin du cheval. C'est vraiment d'accord. Un travail à deux. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous travaillez comme ça en duo tous les deux avec Eros ? Avec Eros, ben on a commencé ça fait peut-être 5 ou 6 ans déjà. Ouais. Ouais. D'accord, il a quel âge Eros ? Vous avez commencé avec lui, il est vers 3 ans, et du coup, depuis qu'il a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, vous travaillez avec lui, c'est ça? Ouais, j'avais déjà un peu d'expérience quand il est arrivé, donc on a travaillé ensemble, et puis j'ai formé, et puis on s'est tout de suite super bien entendu. C'est un grand, franchement. D'accord, il y a des gens, là, je viens de voir passer une question qui demande quand est-ce que ces chevaux courent dans les prés, les chevaux. Vont aller dehors tout à l'heure, là ils sont en train de déjeuner. Voilà, là ils sont en train de manger. Pourquoi ils sont au box. Puis ils sont dans le box pour manger, pour dormir. Et à tour de rôle, ils vont dans les paddocks qui sont dehors. C'est bien. On va continuer à faire, à faire le tour. C'est bien, Eros, c'est gentil. Parce que je voudrais aller vous montrer, j'espère qu'ils sont encore là. Montrer aux internautes les Falabella. Falabella ou Falabala ? Falabella. Falabella qui sont. Alors regardez, là on a les petits chiens et regardez ça. Donc, regardez comme c'est mignon. Donc, ça c'est Gangster. Voilà, c'est pas adorable. Là il est à taille adulte, c'est pas un bébé. Et il a 6 ans. Ouais, voilà, donc c'est Gangster. Et votre tante me disait tout à l'heure qu'il faut pas se fier à leur tête mignonne et à leur jolie couleur. Ils ont un sacré petit caractère. Ouais, ils ont un fort caractère et d'ailleurs nous c'est ce qui nous plaît parce que on a vraiment une relation épanouie avec un cheval. C'est beaucoup mieux qu'être avec des animaux tout mous où il ne se passe pas grand chose. D'accord. Là, il y en a un autre, on a Voyou. Ouais, il y a Voyou. D'ailleurs, son nom, ça correspond un peu. Bon, comme il mange. Petit caractère voilà. Aussi. Comme il mange, il est tranquille. Ouais. Alors, petit Voyou. Et en fait, c'est pas du tout des poneys, c'est des étalons, mais c'est des étalons là. D'accord. Oui, voilà. C'est ça, avec le caractère d'un étalon. Exactement. Et le côté. Et le côté, je veux prendre le dessus sur mes congénères. Ouais. Voilà, là, quand on le voit comme ça, on dirait pas, mais.
Ouais, on va laisser Voyou déjeuner tranquillement. Voilà, donc hop. Donc là, c'est l'autre voilà, côté. La fin des box. Par ici, c'est la plus race espagnole. Ouais. Donc ça, c'est des chevaux vraiment comme l'expérience dans ce truc-là. On ne voit pas très bien. Voilà, j'étais à contre-jour. Voilà, ça, c'est Aramis. Donc ça, Aramis, c'est un cheval espagnol également. Non, les espagnols, ils sont à gauche. Ah, ils sont à gauche. Ouais. Alors, attendez, Aramis, c'était un portugais. D'accord, voilà. Très bien. Lui, c'est pareil, c'est un tout nouveau. Il est en formation, mais il a un très bon potentiel. D'accord. Donc là, on a Ovier. Lui, c'est un ce qui est intéressant, c'est que c'est comme les hommes, ils ont tous vraiment un caractère différent. Ouais. Et puis c'est ça aussi qui fait l'intérêt d'avoir 50 chevaux et puis 50 caractères. Et pour nous, c'est formidable. Et que des mâles, hein, c'est ça. Ouais, que il n'y a que des mâles et des mâles entiers. Voilà. D'accord. Pourquoi entiers? Je crois que c'est parce que c'est mieux pour les allures, c'est ça? Ils sont très mieux. Tout simplement parce qu'un cheval castré, il perd du tempérament. Ouais. Et il n'est plus aussi épanoui qu'avant. Alors que. Un cheval, il faut le laisser entier parce que c'est vraiment là qu'on lui enlève rien. D'accord. Ouais, nous, on ne prend pas au cheval. Aux chevaux, nous, on préfère donner. Ouais. C'est à force de donner qu'on peut recevoir. Voilà. C'est très beau. C'est très beau comme phrase. Ça ferait un très bon titre d'article. Voilà, donc là, on est encore là. Hop, donc encore un cheval espagnol. Hein, ouais. Voilà, c'est ça. Là, il y a une chevaux espagnoles et c'est voilà. Vraiment en fait, des chevaux formidables. Voilà, c'est marqué sur les panneaux. Ouais. Voilà, donc on finit le tour des boxes, donc 50 chevaux hein, qui sont ici, donc plus tous ceux qui sont à la retraite donc dans votre centre dans le Vaucluse. Rappelez-nous le nom du village. C'est Piolinc. 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 Piolinc, voilà. Pardon. Donc là vous voyez ceux-là, ils sont au paddock. Donc si vous voulez, on peut passer voir. Allez, on va aller on va passer au paddock. Et donc sur la deuxième piste d'entraînement, donc là on voit parce que là, Gypsy, elle a changé de cheval, elle a pris Cachemire. D'accord. Et c'est pour ça que tout à l'heure, il était attaché parce qu'il il s'apprêtait à aller travailler. D'accord. Ah, donc c'est pareil, c'est à petite dose, mais vraiment quotidiennement. Oui. C'est comme ça qu'on peut vraiment faire travailler le cheval en douceur, mais lui permettre d'apprendre des choses. D'accord. Et donc là, Cachemire, il apprend quoi? Là, pour l'instant, elle est en train de le détendre. D'accord. Voilà. Donc le détendre, c'est une sorte de d'échauffement, en fait. Voilà, exactement. D'accord. Allez, on va aller voir les paddocks. Allez. On va aller dehors, 5 minutes. Et puis, voilà, je cite pas trop. Hop, regardez. Voilà, donc toujours Cachemire. On travaille avec Gypsy Grus. Voilà, et on va finir ce live en allant voir quels chevaux sont dans les paddocks. Donc là, regardez. Alors là, je pense que vous n'avez pas beaucoup vu ça. On est vraiment dans les coulisses du cirque Grus. Il y a toutes les caravanes où vivent toute la famille. Plus tous les employés du cirque, évidemment. Hein. Oui, ça fait vraiment un village. Alors, il y a les artistes, les techniciens, les patronniers. Et sachant qu'il y a vraiment une espèce de solidarité qui se crée dans l'équipe. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on serre les coudes. Que ce soit les artistes, ils aident pour s'occuper des chevaux. Les techniciens, tout le monde essaie de mettre la main à la pâte pour vraiment que tout se passe bien. Parce que vous êtes combien à travailler ici? En fixe, on est une quarantaine. Ouais. Et puis en plus, les musiciens qui viennent pour le spectacle, ouais. Il y en a 10. D'accord. Et une chanteuse aussi? Ouais, il y a une chanteuse. Il y a 6 artistes de Farfadet qui viennent pour chaque spectacle. Oui, parce qu'on rappelle hein, que le spectacle donc, qui se joue cette année, qui s'appelle Quintessence, Ah voilà, regardez. Hop. C'est un pur sang arabe. Je crois qu'il s'est roulé parce que il est plus marron que blanc. Ouais, c'est un peu. Ouais. Voilà, d'accord. Le parc, ça prend une bonne partie de la place. D'accord, ah oui, donc ouais. Là il y a les. Regardez, il vient nous voir. On voit les autres. Il traîne, viens. Voilà, donc là. On va voir les autres là-bas. Ils se détendent. Ouais. Bon,
Donc au final, un cheval, il travaille... mettons, un cheval qui participe au... Ah, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah bah, il se roule dans l'herbe, enfin, dans la boue. Dans la terre. Voilà. Alors, c'est qui, ce cheval? C'est Coimbra. Coimbra? Coimbra. C'est comme la ville du Portugal. D'accord. Il vient de là-bas. Il y a des internautes qui nous demandent, du coup, ils mangent pas d'herbe, là? Non. Bah, en fait, l'herbe, ils ont déjà tout mangé. Ah d'accord. C'est pour ça qu'il y en a plus. D'accord. Et mais, du coup, mais de toute façon, on leur apporte le foin après là. D'accord. Ok. Ouais, là, là, ils sont dans nos écuries et après ils viennent là. D'accord. Ok. Ouais. Et qui mange du foin ou de l'herbe, c'est la même chose. C'est pareil. Ouais. Et d'accord. Le foin c'est mieux parce que des fois dans l'herbe il peut y avoir des choses pas bonnes. Ah oui. Ok. Ouais, il faut faire attention parce que souvent les gens ils disent ouais. Les chevaux, il faut les laisser manger. Il y a des plantes qui peuvent les intoxiquer. Ouais. Dans l'herbe, ils peuvent manger des bestioles. Donc, des fois, il faut faire attention. D'accord. Donc là, au moins avec le foin, on est tranquille. Pour avoir des chevaux en bonne santé, il faut aussi faire attention à ce qu'ils mangent. Ouais. Il faut... c'est un tout. Il faut la bonne dose d'exercice, la bonne dose de détente. Ouais. Et puis, faire attention à l'alimentation. Pour les soins, il y a mon frère Alexandre, que vous avez vu dans la piste, et Maud Grus, qui ont des très bonnes bases en soins pour le vétérinaire. Ouais, et puis sinon, vous avez une équipe de vétérinaires, voilà, qui viennent. Si ça dépasse un peu leur compétence, parce que ça peut arriver qu'un cheval il attrape une maladie qu'on ne connaisse pas, mm-hmm, ou qu'il se sente un peu dépassé, on appelle un vétérinaire professionnel qui nous, d'accord, connaît très bien et qui nous suit depuis des années. D'accord. C'est pareil, on a un maréchal Ferrand aussi, qu'on soit dans le sud ou à Paris, c'est toujours le même qui revient, parce que ça permet aussi toujours d'avoir cette complicité avec le cheval. Mm. D'accord. Oui, en fait, ici, vous prenez soin de vos chevaux comme on prend soin d'un jeune athlète, avec des temps d'exercice, des temps de repos, une alimentation saine et... C'est ça. Et... Est-ce que ça, c'est comme des membres? Ah, attendez, alors, je me retourne parce que nous a rejoint... Alexandre, pardon, j'allais vous appeler Alexis, mais Alexis, c'est votre grand-père. Donc Alexandre Grus, qui est donc le frère jumeau de Charles, un des petits-fils d'Alexis Grus. Et je crois que c'est vous qui reprenez les écuries ou... Ouais, je reprends un peu la responsabilité de l'écurie, mais bon, je suis en pleine formation et ça prend un peu du temps. C'est beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de choses à connaître. Je suis encore en... beaucoup de choses à apprendre encore. D'accord. Ouais. Je me demandais, un cheval, donc on disait que finalement ce sont un peu des athlètes, entre un cheval qui participe au spectacle, donc il peut avoir jusqu'à combien de numéros pendant le spectacle? Après, ça c'est vraiment différent, ça dépend vraiment de chaque cheval. Ouais. En fait, chaque cheval a sa propre personnalité, ses propres compétences. Et nous on a vraiment... on adapte vraiment le travail par rapport à chaque cheval. On n'a pas une méthode de travail, mon grand-père dit qu'on a 50 chevaux et 50 méthodes d'enseignement différentes. D'accord. Vraiment, chaque travail est adapté, chaque cheval est très différent, ils ont chacun leur personnalité. Et voilà. Comme je disais, c'est vraiment comme des membres de notre famille. Je crois que c'est votre grand-père encore qui se déplace partout pour aller les observer, les acheter, voilà, les choisir. Pour les chevaux espagnols, il va directement en Espagne dans les élevages, pour les portugais c'est pareil. Pour les Argentins, enfin, il va vraiment dans les pays d'origine des races pour vraiment trouver les meilleurs chevaux. D'accord. Ouais. Ok. Je crois qu'on a fait le tour. On est allé au bout là. Vous voyez? Ah bah ils sont partis. Ouais. Tiens. Bah il est où? Bah il est parti là-bas. Mais il est derrière les armes là-bas. Les paddocks sont très grands donc. Ouais. Donc du coup voilà. Donc les chevaux les chevaux qui se reposent. On n'était pas du tout venu là pour ça au départ, mais là il y a beaucoup d'internautes, je crois qu'ils confondent un peu tout. On est redire vraiment que les chevaux ne sont absolument pas maltraités. Ah bah non, nous nos chevaux on les aime énormément. Le plus important pour nous c'est le bien-être des chevaux. Il y a vraiment on leur fait aucun mal, nous, au contraire on leur fait que du bien. C'est ça, on est bien d'accord. Ils apprennent pas à leur tour à coups de cravache. Ah non, c'est vraiment de l'éducation, de l'enseignement. Et ce qu'on cherche, c'est la confiance avec le cheval. Et c'est vraiment leur bien-être, c'est le plus important, c'est notre priorité. Mmh, c'est ça, c'est un travail du cavalier avec son cheval en harmonie. On fait pas de la course de chevaux, nous. C'est vraiment du travail ensemble, comme je travaille avec mon frère, avec mon père. Avec mon cheval, c'est un membre de ma famille, un partenaire. Mmh. Ouais. D'ailleurs, on n'a absolument rien à cacher.
Là, nos portes sont ouvertes aux journalistes pour faire des directs. Et puis, on invite aussi les gens à venir voir les coulisses après les spectacles. Souvent, ils nous demandent s'ils peuvent aller voir les chevaux. Et puis, c'est autorisé. Des questions, ils peuvent venir voir et ils verront. Voilà, exactement. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes derrière la piste. Aujourd'hui, je rappelle juste à nos internautes que le spectacle Quintessence se joue en ce moment. Donc, c'est Porte de Passy à Paris, donc sous le chapiteau Alexis Grus. Je ne sais pas si je me retourne, est-ce qu'on va l'apercevoir un petit peu ? Voilà. Enfin bon, bref, hein, donc c'est un grand chapiteau de cirque, donc un spectacle équestre avec en collaboration avec la compagnie des Farfadets qui évolue dans les airs. C'est un très beau spectacle que j'ai eu la chance de voir l'année dernière. C'est très beau, c'est très poétique. Je vous engage vraiment à y aller. Merci à tous. À très bientôt. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette vidéo sur notre page Facebook dans un instant et sur notre site internet. Merci beaucoup. Au revoir.